Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 215 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien les amis, pour ma part je vais très bien. Au niveau de l'épisode précédent, on avait continué notre grosse session dans l'émission de combat dans laquelle on avait fait, souvenez-vous, on avait fait les où le petit, voilà, le haut fait du grand Koga, donc allez voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, tout simplement, nous allons nous attaquer à la suite et on va s'attaquer au bouillonnement de rancœur. Dans lequel, tout simplement, en information de bataille, un message des gourons rapporte la présence d'un gardien suspect dans la montagne, ce qui menace l'extraction de minerais. Dairou se rend à la montagne de la mort pour l'éliminer. Alors, vu qu'il y a rancœur, j'imagine qu'il y a bien un gardien de rancœur, règle particulière qui fixe temps limité. Donc, ennemis principaux, gardien de rancœur, fallait s'en douter, des gardiens de feu, des lézalfos de feu, des chauves-souris de feu. En récompense initiale ici, nous avons une pierre céleste, 5 pièces de terraco et un diamant brut. Et en matériaux exclusifs face au champ de bataille, nous avons des papillons inifus, des lézards inifus, des piments, des champi-piments et des herbes piments. Donc écoutez, voilà. Alors, du coup, j'imagine que ça sera peut-être des forts à prendre. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des matériaux exclusifs, c'est des forts à prendre. Donc j'imagine que ça sera peut-être des forts à prendre. Donc niveau conseiller 58. Honnêtement, je pense qu'on peut le tenter, sachant que Darouk a un truc à 96, ça va. Normalement, on peut être tranquille, entre guillemets. C'est vrai qu'on avait les habits et tout, qu'il faudra, que je vous avais dit d'aller, qu'on allait voir. Bon, ne vous inquiétez pas, on les verra, il n'y a pas de souci quand on aura fini un petit peu tout ça. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, quand j'aurai tout obtenu, déjà, j'aurai fait la carte à 100%. En termes de mission d'Hyrule, on vérifiera tout ce qui est dans la galerie, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, on fera un épisode gros débriefing et tout ça. Comme ça, au moins, on est tranquille. On vérifiera également les tenues. Comme un épisode stat, je pense même que ça sera du coup un genre d'épisode stat en fait. Enfin, épisode progression ou world progress, progress tour ou une connerie comme ça. Comme j'ai ou specification, tout simplement. Donc, du coup, voilà, bah écoutez, on va pouvoir partir en combat. C'est parti. Et puis voilà. Sachant qu'on. Ouais, ça serait bien d'avoir des rubis parce que là, nous n'avons plus rien. C'est vrai que dans ce jeu, on est toujours en manque de rubis en fait. Hein. C'est vraiment la merde pour fusionner les armes sans rubis. C'est vraiment la merde. Hein. Alors, du coup. Ah là 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 là. Déjà l'épisode 215, écoutez. Hein, demande attaque du coup le week-end. Hein, à partir de vendredi. Après, c'est 17 et dimanche. Bon, bah écoutez. C'est bon, je regarde bien quand même. Alors du coup. Ah. Oui, c'est bien, il y a bien un fort à prendre. C'est pas ici. What the fuck? Ok. Alors, le gardien de rancœur. Ah, c'est Karm. Il y a 4 gardiens de rancœur? Ou c'est mon... Non, il n'y a pas 4 gardiens de rancœur. Il n'y a pas 4 gardiens de rancœur. Parce que s'il y en a 4, on va mettre 100 ans, hein, je vous le dis. S'il y en a 4, on va mettre 100 ans. Oh lolo. Oh oui. Voilà. Là, cette attaque, elle est géniale. Voilà, boum. Waouh. Ok, coup point faible. Mais le problème, s'il y en a 4, ça va mettre, on va mettre 100 ans. Je vous le dis, s'il y en a 4, on va mettre 100 ans. J'imagine qu'ils vont bientôt appeler leurs alliés. Allez, go! Et voilà, on continue! 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'on a une arme puissante, hein! Parce que la jauge du coup fatal, lui, se vide beaucoup plus vite quand on a une arme puissante. Bah, alors, il a pas voulu, j'ai appuyé sur ZR pourtant. Oh, what the fuck, je voulais esquiver, c'est pas gentil ça! Voilà, beaucoup point faible. Bon, bah là, normalement, t'es mort, non? Ou pas? Pas du tout. Bon, bah, ok. On va quand même garder en cas d'extrême besoin les coups fatals en haut à gauche, hein! Voilà. Ok. Bon là t'es mort normalement. Bientôt là. Voilà. La zone est, cette zone est à moi, bien sûr, cette zone est à moi. Boum. Bon. Est-ce que c'est que des gardiens de rancœur ou ils vont se calmer un bout d'un moment, non? Je sais vraiment pas du tout. Bim. On va aller voir ça. Les boules de feu ont fait leur apparition. Ah oui, bah oui. Jusqu'à qu'on descende, c'est ça. Tac, tac,
Tac, tac. Mais d'où ils arrivent à m'atteindre des boules de feu? Je suis dans la grotte. Oh, c'est pas très RP ça. Par contre, il y a un nombre de chauves-souris. Hallucinant. Ah, gardien de feu. Non, ça va, c'est pas des gardiens de rancœur. Ah, si, il y en a un autre. Il y a un gardien de rancœur derrière. Hop, oh, en fait, il y a 4 gardiens de rancœur. Bon, ben. On va être retrouvé dans la grosse merde, je vous le dis. Ok. Là, pas le choix. Parce que sinon, on va mettre 100 ans. Et j'ai pas envie de mettre 100 ans. Le but, c'est pas non plus de mettre 100 ans. Parce que là, on n'a pas le temps. Ok, et en plus on le tue, pas du premier coup. Mais de toute façon on va pouvoir le tuer du premier coup normalement avec ça. Ouais, parce que là on n'a pas le choix finalement de les utiliser. Là ça va être la grosse merde, il y en a deux autres à derrière après. Wow, les points de vie qui ne baissent pas. Ça me fait peur hein. Réduire, attention. Oh mais d'où? Voilà, t'es mort, coup point faible. Non t'es pas mort mais il faut au moins deux fois pour que tu meurs. Une première fois. J'ai du coup fatal qu'on va garder pour l'autre fort. Boum. Ok. Non. Non. Non, s'il te plaît. C'est chiant parce qu'en fait, je peux pas esquiver ça. Enfin, je peux pas attaquer correctement avec Sinetti. Je peux pas utiliser le méga glitch. Enfin, je sais pas si c'est un glitch ou un combo de ouf que le jeu nous permet de faire, mais... Allez, go. T'es mort. Bon, ça va. Lui, on l'a fait quand même un temps record. Maintenant, il y en a d'autres. Le truc c'est que j'ai peur qu'ils me disent ah ben non il y en a d'autres, vous avez... Je sens la couille en fait. Ça sent la couille je vous le dis. Ça pue ça à chaque fois. Merci. Merci. Dégagez de là. Allez un autre gardien de rancœur j'imagine. Il a ah non même pas. Il n'y a pas de gardien de rancœur ici. On dirait pas. Laissez-moi gérer. Merci. Oh putain, si, il y a un autre gardien de rancœur. À mon avis, pour que ça me fasse mal comme ça. Ou en tout cas, un gardien de feu où j'ai pas vu. Mais quelqu'un m'a. J'ai l'impression que. Ah non, mais c'est lui qui m'a lancé des boules de feu alors que c'était impossible normalement. Hop. Merci. Tenetis. T'as de la chance, mon gars. Bon ben voilà, t'es mort. Il ne manquera plus que le dernier fort, sachant qu'on est à la moitié du temps dans pas très longtemps, dans 9 secondes. Donc bon, on est à la moitié du temps dans 9 secondes. Non, oula. Tout le coup, ah non, c'est peut-être les alphas en fait qui m'ont fait mal. Ah, le gardien de rancœur, il fallait s'en douter, évidemment. Bon ben on va tout mettre sur lui, hein, écoutez. Voilà, boum. Allez, maintenant, 1, 2, 3, 4. Niveau supérieur. Ok, toi t'es mort. Ou presque en tout cas, non. Deux fois ça suffira. Comme ça, on aura juste à activer. On va attendre qu'il se lève un petit peu. Voilà. Allez, normalement, je pense que là, on va bien pouvoir te blesser. Boum. C'est bien, on est quand même passé niveau 56. Hop. Oh dommage. Pas de chance. Allez. Encore. Allez. On va le faire comme ça au moins. C'est fini. Et voilà, nous l'avons réussi. Nous avons réussi cette mission de combat. Bon bah, épisode 215 achevé hein. Épisode 215 achevé. Eh ben putain. Bien. Niveau 57, parfait. Un niveau de plus, ok. Un truc accident. Et tout le reste, ok. 5 pièces de terraco, ça c'est parfait. Le diamant brut, des choses qu'on n'en avait pas beaucoup. Ça fait plaisir. L'ambre brut, parce que ça, on en a par contre vraiment plus beaucoup, ça devient dangereux. Sinon, tout le reste, ça va, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Parfait. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Bah voilà, on va pouvoir clore l'épisode, hein, normalement. Normalement, on va pouvoir clore l'épisode. Et on fera du coup la prochaine mission de combat dans l'épisode 216. Eh ben putain, c'était violent. Ouh, c'était violent en termes de. Je m'attendais pas à 3 gardiens de rancœur en fait. Vraiment, je pensais peut-être un, mais pas un par fort. Enfin, et au bout d'un moment, vu que j'en ai vu un au premier, je me suis dit, alors peut-être il va y avoir un par fort. J'aurais pu peut-être en mettre un dernier, honnêtement. Enfin, mettre un dans le fort où il y avait le gardien de feu.
Ok, d'accord. Deux missions. Ok, c'est dans un par deux maintenant, on va pas s'en sortir. Mais bon, bah, ils auraient pu. C'est vrai, ils auraient pu, mais bon. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. Du coup, bah, c'est encore là. Putain, d'accord. On va jamais s'en sortir. Hein. On va jamais s'en sortir sur ma vie. Oh là là, oh là là. Bon, bah écoutez. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera donc du coup bah, demain parce que de toute façon on n'a pas de mission, on peut pas faire d'autres missions de Hyrule. Hein. Regardez, hein, je peux passer, mais là on peut rien faire pour le moment, donc on va devoir attendre. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 215 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. La fois prochaine, tout simplement, donc dans l'épisode 216 pour attaquer le week-end, nous ferons tout simplement la mission de combat, le voleur, fuyard et chasseur. Donc dans lequel on va devoir utiliser Revali, on dirait, et Noya. Donc c'est parfait, c'est deux personnes que j'aime énormément dans le jeu. Donc voilà, donc c'est ce que nous ferons. D'ici là les amis, portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Ciao tout le monde. Hey, peace.